Hey viewers, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Good Evil, dans ce troisième épisode. La dernière fois, nous avions affronté un monstre géant, une espèce de serpent qui se trimbalait sur l'eau. On a réussi à l'affronter et à le terrasser grâce à ce qu'on avait acheté chez Mamago, donc notre reine du reggae et aussi notre fournisseuse du marché noir. Notre fournisseuse de pièces du marché noir en Overcraft. Donc on a acheté une pièce d'Overcraft qui était du marché noir, c'est pas cool tout ça. Et du coup on lui a acheté du coup une de ses pièces. Et grâce à ça on a pu affronter comment il s'appelle, bah du coup un espèce de monstre serpent géant. Et donc là nous allons voir notre nouvel acheteur. L'île noire, droit devant. Ça doit être ça l'île noire. Boussole, l'île noire, ça doit être ça normalement. C'est ça, l'île noire, c'est ça. Oh, 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 faut que je photographie ces créatures. Attendez. Elles sont où? Ok, d'accord. Oh mince, je les ai ratées. Mince, je suis allé trop vite. Donc voilà, on allait vers l'île noire pour un nouvel acheteur. Donc on avait une nouvelle. Oui, j'ai réussi à le photographier. Oh, elle est trop belle en plus la photo. Donc on avait du coup un nouvel acheteur qui avait besoin de nos services. Donc il nous avait demandé de venir pour le pour ses services. Est terminée. Bravo Jade. Je te transfère le zoom. Ah, le zoom. Réinitialise ta pellicule. OK, pour avoir pris autant de photos, il nous octroie un niveau supérieur. OK, ils ont confiance en nous, c'est cool. Bon, maintenant on active. En fait, il suffit d'appuyer une fois sur espace, on active la super vitesse et une fois sur espace, on enlève la super vitesse. Mais je vais rester en super vitesse pour le moment. OK, donc on va voir notre acheteur, enfin pas notre acheteur, voilà, ceux qui demandent nos services qui se trouvent ici. Très bien, très bien. Salut l'homme moustache. Bon, j'arrive. Ouf, pardon. Ouais, j'accoste. Ouais, parfait. Bonjour, homme moustache, ça va? J'espère que... La forme, hein, j'espère. T'as des yeux un peu noirs, là, tout ça. Regardez-moi ce regard un peu froid. De Castellac, comme tous les habitants d'Ilis, souhaite ardemment la fin de cette guerre. J'ai l'impression plus que t'en profites, hein, mais bon. De repousser les Doms, mais ils nous cachent la vérité. Des monstres Doms sont déjà envahis chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libre de refuser. On n'est pas très potes avec les Doms. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Sérieux, en fait, on est une photographe. Mais enfin, je savais déjà, mais ça a l'air vraiment d'être au centre du jeu. On va nous demander de faire des photos tout en déglinguant tout plein de monstres. Ça va être rigolo. J'ai jamais vu un parti pris aussi rigolo. C'est-à-dire que vraiment, c'est juste une photographe, mais bon, elle a l'air de prendre vraiment son boulot à cœur. Et carrément, elle se bat pour photographier. C'est fou. Bon, alors, petite phase de Peiji, tu pourrais... Ouais, bon, il a pas l'air de vouloir. Oh, pour... tape pour lire. Appel à témoins. Les traîtres du réseau Iris se terrent quelque part sur Iris. Forte récompense. Ok, si je les photographie, à mon avis, je vais avoir une méga récompense. Bon, pour le moment, c'est pas le moment. Bon, ici, y a pas grand-chose. Donc oui, j'ai essayé encore de régler les bugs, mais bon... Bon, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça passe. Regardez, là, il n'y en a pas, c'est très beau, donc on va rester comme ça. Tiens, viens, mets-toi ici, Peiji. Tu pourrais te mettre de l'autre côté. Tu serais peut-être intelligent de le faire. Si je me mets là. Okay. Ah, faut appuyer sur eux pour qu'ils fassent l'action, d'accord. Très bien. Bien vu, le jeu. Ok, bah on passe. On moi, va ça me va. Trouver, ces vers de terre. Ouais, t'inquiète, on va lui trouver. Hop, c'est parti. Hop, vieille mine. Vieille mine. Oh, je t'ai pas toi dans mon espèce. Ha. Merci. Oh, oh. Les mouches sont injustement mal aimées. Ouais, même si elles sont très pratiques. Salut. Bon, au moins on a fait du fric en plus. Ouais, on est riche. Heureusement que je prends les photos, sinon on serait pas aussi riche. Ça fait quoi si je me mets ici? Je fais monter la pression. Je vais monter la pression, mais je sais pas à quoi ça sert. Ouais, j'ai besoin de toi pour monter, tu veux pas m'aider? Non. Parler. Tu as une idée? Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. Ah, cool. Je travaille dans le plus grand secret, l'aboutissement d'une carrière, ma petite merveille, les Jet Boots.
Tu peux m'en enfiler ? Du biocarburant maison. Ici, une poche de méthane maintenue sous pression. Là, sous la semelle, deux turboréacteurs. La mise à feu est commandée par une simple contraction des muscles abdominaux. C'est le moyen de transport du futur. J'attends ton signal. Mais tu es super, ce Peiji. Je sens que ça va foirer, mais c'est pas grave. Il s'envole vers d'autres cieux. C'est tellement ridicule. Je crois que ça marche bien, mais il faudrait que tu me les passes, en fait. Et voilà. Super. À toi de jouer. Maintenant. Ah, d'accord, on peut lui demander de faire certaines actions. Ok, donc en fait, on va... Ça lui permet de créer une super puissance. Attaque Jet Boots. Hop, tu peux pas te mettre... Maintenant. Oui. Ok, d'accord, donc en fait... Tu m'avais caché ça. Il a juste créé une attaque Jet Boot. Il arrive pas à s'envoler, c'est tout. Les derniers réglages. Franchement, il m'aurait donné les Jet Boot, bon, j'aurais pu peut-être le faire. Hop. Hop, oui, ça, il m'aurait donné les Jet Boot, à mon avis, franchement. J'aurais pu voler, moi. Mais bon, il a pas eu l'idée de le faire. Allez, ramène-toi, mon petit PJ. J'adore son nom, je trouve qu'il se prononce très facilement et qu'il a un petit côté sympathique. Ok, donc là il y a le plan d'évacuation. Bon, la flemme de le lire, moi j'y vais un peu à l'arrache. Ouais. Ah, d'accord, vraiment c'est un jeu qui va se tourner autour de la photographie. J'aime bien le parti pris, serait très sympa. Hop, voilà, et du coup j'ai le. Ok, et du coup maintenant j'ai le plan de la zone. Donc là il y a le bateau. Bon, c'est pas une zone non plus trop compliquée. À mon avis, j'aurais même pas besoin de plan pour me guider. C'est le premier donjon quoi, je peux y aller de tête. Alors, il faudrait une arme à feu peut-être pour enclencher tout ça. Hop. Ok. D'accord, je viens de sortir mon arme de combat. Merci. Mais non, mais rends-moi ça, j'ai lui baisser un. Merci. D'accord, je suis en train de lui en donner, mais je voulais pas lui en donner. Ok. J'ai l'impression que je peux frapper ça. Donne-moi ton signal, Jade. Ah. On y va. Oh, d'accord. Ton attaque Jet Boots les fait sortir de leur bouche. Yes. Ok, on peut s'en servir comme projectile. Très intéressant. Yeah. Parfait, éclaire-toi s'il te plaît. Voilà, sinon t'allais exploser. Ok, très intéressant. Salut mon pote, ça fait quoi toi? Oh, des petits cristaux. Ça se vend cher ça, cristal de materia. Cristal de materia. Il est transfert illico à la banco. Il paye mucho unité par caillou. Good good. Ah, c'est cool ça. Ouais, super, on devient riche, ton jeu, c'est trop facile. Au début on était pauvre et maintenant on est riche. Si je continue à le frapper, c'est infini? Non, dommage. Dommage. J'aurais pu penser que ça soit infini, mais oui, ça serait quand même un petit peu pété. Hop, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon petit Paige? J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a mon petit Paige? Il va nous falloir du matos si on veut passer par là. Déjà je vais me soigner. Dans une ancienne mine. Voilà, merci. Quelque chose comme ça. Hop, très bien. Il faudrait que peut-être okay. Tu fasses ton action. Pète le mur, ça serait cool. Peut-être que faut que je le fasse avec toi d'ailleurs. Oh, je suis pas outillé pour ça, moi. Putain, en plus derrière on pourrait avoir les pièces quoi. Ok, j'ai besoin de toi mon petit PJ. Tu vas. Est-ce que je peux frapper la mouche? Non. Tu vas te mettre à côté des bombes et on va pousser. Allez, viens par ici mon petit PJ. Hop. Est-ce qu'on peut casser les cristaux? Oui, du fric en plus, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Mon petit PJ, tu viens? Oh. Et ils font pas grand-chose ici, par ici. Allez, viens. Bon, il galère un petit peu, il est un petit peu gros, mais ça passe. On va dire que ça passe. Allez, tu viens par ici? Oui, sa façon de marcher, tellement ridicule. De toute façon, ce personnage est à la fois ridicule, sympathique, attachant et super charismatique à la fois. Ok, j'ai raté le coche. Par contre, je suis pas bête. J'ai compris comment faut faire pour avoir les cristaux à gauche là. Ouais, faut pas être con dans la vie. Moi, vous savez maintenant depuis combien de temps je joue. Enfin, depuis que je suis sur ma chaîne. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé ma chaîne. Vous savez maintenant depuis que moi, ce que j'adore dans les jeux, c'est devenir le plus riche possible. Et ça, c'est sûr, je vais essayer de faire tout le maximum pour avoir tout l'argent. Là, j'étais pas bête, j'ai utilisé du coup l'espèce de bombe pour casser le cristaux. C'est toujours mieux pour avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu sais qu'on peut toujours pas l'avoir. À moins que, c'est moi qui me trompe et on peut peut-être porter à deux les choses. Si je fais l'action. Pas faim pour l'instant. Ah, mais si, on pouvait. Pas hop terrible. Allez,
Ah, c'est très ridicule. Ouais, aucune réaction. Bon, pour le moment, on ne peut pas. On verra plus tard ce qu'on peut faire. Hop, allez, on monte. Parfait. Ici, à gauche, il n'y a rien. À droite, merci. Oh! Par contre, ça te dérange pas si je te prends en photo? Salut, ça va? Non, non, mais... mais il y a un mauvais cadre. Hop. Oui, parfait. Oui, de l'argent. J'ai... si on peut vraiment... on peut vraiment tout prendre en photo, c'est cool. Ok, du coup, j'en ai un. Hop, casse-toi. Tu me fais plaisir si tu t'en allais. Hop, hop, hop. Yeah. Et des petits cristaux pour nous récompenser. C'est toujours cool. C'était quoi, ça? En tout cas, c'est cool, on s'est fait machine de fric. Déjà en le frappant et déjà en le prenant en photo. Viens par ici. Hop, allons, on pousse, on pousse, on pousse. Je sais pas à quoi ça sert de pousser dans ce côté-là. Voilà. Ah, j'ai trouvé. Peut-être qu'il faut monter par là. Et ensuite, il faut faire quoi? Non, j'ai l'impression que ça sert pas à grand-chose, en fait, d'être là. Ah, il faudrait qu'on monte un peu en haut. Ah, j'ai trouvé. Hop, si tu pouvais faire l'action. Non, mais lui donne pas des trucs. Je veux... arrête de lui donner, c'est fou. C'est fou, mais elle doit donner tout ce qu'on a à tout le monde. Ok, on va descendre. J'ai l'impression que c'est pas par là qu'on doit aller. On doit aller plutôt par là. Ah, mais attends, j'ai peut-être tout simplement poussé du mauvais côté la chose. Non, je ne pense pas qu'on ait poussé du mauvais côté. Sinon, il nous laissera la capacité de pouvoir le repousser une deuxième fois. Ça fait quoi si on appuie sur ce bouton-là, là? Ah, mais non. Je suis bête, il y avait le mécanisme juste ici, j'ai pas vu. Bah voilà, parfait. On fait descendre les cailloux. Et tranquille, voilà. Ah oui, bah non, du coup on peut rentrer maintenant. Oui, d'accord, très bien. Allez, viens par ici mon petit Paige, je t'attends. Bon, je t'attends pas en fait, t'es un peu lent. C'est un peu ça. Boyau secondaire. Très sympa comme endroit, très joli. Oh lolo, c'est un peu beaucoup tout ça. Hein. Autant qu'il nous attaque pas, je pourrais les photographier. Calme-toi, Paige. Hop, très bien. J'envoie ça au scientifique. Oh, 700. Bon, attendez, mais je vais devenir riche dans ce jeu, c'est pas, c'est fou. Toi là. Ah, j'aurais pu prendre en photo la l'espèce de bouffeur de cristaux et qui nous avait donné des cristaux. Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce que je peux prendre en photo? Là-bas, il y a un autre. Là, ça. Ça. Juste ça, là. Non, je me suis trompé. Parfait. Bon, je vois pas ce qu'elle peut voir comme ça, mais bon, ça a l'air de marcher. Prudence. Ok, j'ai bien tout photographié ou presque. Toi, vous en allez, s'il vous plaît. Parfait. Ici, il y a un chemin annexe qu'on peut prendre. Je regarde un petit peu la carte pour une fois. C'est ça, il y a un chemin annexe qu'on peut prendre qui mène au même endroit. Ok, on peut prendre le chemin vers le haut ou vers la droite. On va prendre celui vers la droite, ça sera beaucoup mieux. Je pense que quand même, on va esquiver pas mal de monstres. Allez, c'est parti, vieille mine. Ok, parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. C'est ça. On reviendra par l'endroit où on n'a pas tapé tout le monde. Ok. Ah, mince. Action. Aucune réaction. Mince. De quoi? On peut pas passer par là. Bon, bah, on fait le tour. Hein, tant qu'on peut pas casser des... tant qu'on n'a pas de truc pour casser les barrières, on ne revient pas. Allez, saute. Ah, mince. Faut pas cliquer sur... voilà, se décrocher, c'est justement la touche que j'ai utilisée pour remonter, mais en fait, c'est pas la bonne. Ok, très bien. Du coup, il y a des créatures ici. Oh, il m'a frappé lui. Non, ça va. Lui, qu'est-ce qu'il a de particulier? Bon, en fait, ils ont rien de particulier. On peut juste les brûler et ça passe. J'aime bien ce genre de jeu où il faut juste brûler. Moi, ça me plaît bien. Hop. Oh, faites attention. Faut faire attention quand même. Parce que là, ils sont pas mal à essayer de nous déglinguer. Oui. Tiens. Allez, prends ça dans la face. Hop, après, c'est à toi de prendre ça. Ok, on va esquiver, on va avancer là. Je vais... non. Oh, elle m'a bouffé. Oh, elle m'a bouffé. Vite, vite, faut que j'avance. Putain, mais va de l'autre côté. Fais l'action. Allez, fais l'action, vas-y. Non, va de l'autre côté. Le but, c'est que t'ailles de l'autre côté, mon pote. Faut que tu fasses la bonne action, s'il te plaît. Faut que t'ailles sur l'autre côté. Parfait, voilà. Ok, on avance. Yeah, parfait. Très bien, vieille mine maintenant. Ok, cette fois-ci, on n'a plus la contrainte de la barrière. Moi qui pensais que c'était une bonne idée de te gruger, bah non. Ok, bah avançons. Ici, à quoi? Ici, rien à prendre. On vérifie qu'il n'y a pas des choses à prendre. Ah, disquette de sauvegarde. Bah, sauvegarde, hein, du coup. Le disque vert. Hop, voilà. On va sauvegarder sur une nouvelle sauvegarde. Et continuer.
Ok, c'est score assez vite, c'est cool. 1500 unités, Starkos, non, j'en ai pas besoin, j'ai déjà plein assez, bien assez de choses. Oh oui! Parfait. Ah ah! Je vais prendre des objets, hé hey, hé. Alors, c'est quoi cet objet? Restore toute énergie. Touche 2 et 3 pour sélectionner, ok, 2 et 3, voilà, c'est pour switcher en fait d'objet, regardez, si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Hop, pousse-toi s'il te plaît. Hop, boost. Parfait, là-dedans il y a quoi? Oh oh! La pince! La pince pour casser la barrière. Ouais! Une Baronco D53 modèle à percussion cisaillement! Je la prends! Eh bah c'est cool, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Rien d'autre, je pense que là c'était juste ce qu'il y avait à prendre dans le tiroir. Ok, j'aime bien cette, ce fait qu'on puisse un peu tout fouiller. Par contre, toi la mouche, j'aimerais bien te déglinguer. Besoin d'un remontant, quitter. Bah du coup, tu peux casser ça là! Action. Ouais, voilà, t'es sûr, il va utiliser sa pince. Je sais pas d'où il la sort, mais bon, il arrive à la sortir. Bon, parfait, bien joué mon pote. Ok, et maintenant qu'on a cette pince là, on va pouvoir avancer dans le niveau. Là on était tout à l'heure. Ok, d'accord, faut revenir en arrière. Hop, on s'accroche et on avance. Boyau secondaire, bon ça du coup, on en a plus besoin. Non, ça va aller. Oh, ils viennent de nulle part. Je vais mourir là si je continue, ça. Ok, c'est bon, j'ai réussi à me faire un peu d'Afrique. 5210, je sais pas si c'est beaucoup, mais à mon avis, pas mal quand même. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, ce qu'on va faire pour cette fin d'épisode, c'est qu'on va aller voir la créature qui nous a donné de l'argent au premier. Vous savez, la première fois que ce Gundo nous a parlé de monnaie, et ben, on avait une créature qui nous en avait donné. Enfin, pas de monnaie à obtenir à l'aide de cristaux. Et ben, c'est ça qu'on va aller voir. Hop, voilà, il est juste là. Datam. Oui! Et du coup, j'ai toutes les créatures de la zone normalement. J'ai pas besoin de me méfier, elle me donne plus d'argent que j'ai besoin de m'en méfier. Ah, mais attendez, du coup, ça aussi c'est photographiable. Ah oui, c'est aussi vivant. Superbe cliché. Ouais, ok, faut vraiment penser à tout parce que j'aurais pas du tout pensé que ça soit vivant. Ça, c'est vivant, là, il y a une espèce de loupiote. Bon, ça, je t'ai déjà photographié. Ouais, c'est vivant. Et voilà, on a tout. Ok, faut vraiment penser à tout. Hein. Okay. Tout ce qui tu vois qui bouge, tu le prends. C'est bon, je te transfère une perle. Ah! Je réinitialise ta pellicule. Ok, donc tant qu'on n'a pas fini toute la zone, on ne peut pas avancer. Mince, monnaie très appréciée de chez Mamago, marché noir. Ah bah oui, bah c'est la perle d'ici. C'est la perle de cet endroit-là, qu'on n'a pas encore trouvé du coup. Hop, donc on va passer par là-bas. Parfait. On va ouvrir le petit grillage grâce à mon petit ami Pagey qui est super utile. Enfin un coéquipier dans un jeu qui est utile. Enfin, un coéquipier, vous savez, il y a des coéquipiers, soit on les contrôle les deux, mais là, on le contrôle pas vraiment, enfin, on peut lui donner quelques actions à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment utile. Après, bien sûr, il y a des coéquipiers comme Banjo et Kazooie. Je considère pas ça comme coéquipier, je trouve que les deux personnages sont en fait font plus qu'un. Mais là, c'est un vrai coéquipier qui est utile, voilà. Où tu peux facilement le contrôler, lui demander de faire quelques actions, et ça, c'est cool. Ça permet aussi de... Voilà, tout simplement de le faire, d'avoir un petit coéquipier avec qui rigoler. Ah, t'es trop gros, c'est ça? Mais oui! Ah oui, t'inquiète, je. Pas, celui-là, il t'arrivera rien. Enfin, c'est ouais, ce qu'on pense. Ça on peut prendre un cliché? Non. Non, je me fous pas de ta tronche, hein, j'arrive bientôt. Je peux pas l'allumer ça sans lui en fait. Mince, il faut que je trouve un moyen de péter ça. Ah, mais attendez. Attendez. Là, j'ai l'impression que je peux le pousser. Ouais! Ok, du coup je vais pouvoir pousser ça sur les cristaux peut-être. Non, par contre je vais pouvoir pousser ça là à mon avis. Non. Non, bon pour le moment ça marche pas trop. Ici il y a une plaque pour être rebondir. Ah, je peux le... D'accord, je peux l'actionner moi-même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, je peux l'actionner moi-même. Ok, donc vraiment ça fait trembler tout le sol. Où qu'il soit, ça marche. D'accord, très bien. À savoir. Ça fait trembler avec tellement la mine qu'il remonte à où que l'on soit. Ok, il arrive quand même à monter. Il est quand même assez agile, le bougre. Oh, le pauvre. Faut qu'on aille le sauver. Hop, laissez-le tranquille. Merci. Allez, fais ton super action. Fais ta super action là avec tes boosts. T'as vu, tu veux dire. Là, j'ai plus sur eux pour qu'il utilise sa super action. Oui, j'ai entendu, t'inquiète. Oh là là, là, faut que je fasse une super action. Je vais charger un petit coup. Hop, allez, j'ai chargé. Non. Oh non, je me suis fait avoir. Je voulais charger le coup, mais il m'a eu. Tiens, faut que je sauve. Tiens, frappe-le. Fais ton super boost.
Pourquoi je mets pas son super boost là avec ses bottes là pour frapper? Ouais, parfait. Merci Jade. Sans toi, je crois que... Y'a pas de quoi, vieux briscard. Allez en route, je sens. Vieux briscard. J'aime bien cette façon de parler. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On rejoint ensemble la prochaine fois. Et allez, ciao, bye bye tout le monde.